Emo. Ah. Ah. Mais bon, après, c'est que je. De manière générale, j'aime bien mettre 12. 12... Ouais, il y en a un qui va pas devoir mettre à sa place. J'ai piqué un villageois du bois. Non. Ouais, j'ai piqué le villageois qui est à cette ferme là. Je prenais pas, j'avais un décalage en fait dans ce qui devait y être en fait. Enfin, je comprenais pas. Si, j'ai compris parce que j'ai vu où était le problème. Donc, les moines sont pratiques là, ils vont régénérer mon armée. Putain, mais c'est pas possible cette ressource. Ça va me rendre fou ça, cette ressource là qu'on n'a jamais. Parce d'avant on avait des tonnes de bois et là on n'a rien du tout. On va dire aussi que je viens de lancer mes fermes, mais bon. Enfin bon. Je suis obligé de construire une université avant parce que j'ai besoin de développer les meurtrières avant de construire mes châteaux. Parce que c'est bien beau d'avoir des châteaux, mais se faire démolir les châteaux parce qu'on a oublié les meurtrières, ça arrive couramment, hein. Le château a beau vous donner d'excellentes unités militaires, ben les meurtrières sont l'une des recherches peut-être les plus importantes au niveau des fortifications. Ne les faites pas et vous pénalisez, et pas qu'un peu. Comme par, vous voyez, comme par hasard, leur armée se dirige dans mes mines. Je sais pas d'où ça vient, il doit avoir un truc qui se télécharge, une mise à jour d'antivirus à la con. Parce que j'ai vraiment des... Pour moi, j'ai vraiment des micro-freezes, c'est insupportable. C'est toujours le truc que j'ai jamais supporté dans un jeu, c'est quand le jeu n'est pas fluide, c'est affreux. Là, j'ai l'image qui arrête pas de sauter, là. Je suis toujours à 30 FPS constant d'après enregistrement, donc c'est dire que pour enregistrement, je perds pas d'image. Si nous attaquons ce fort romain avec trop peu de soldats, nous périrons à coup sûr. C'est fou de périr. Bah, le fait qu'il manque des archers de cavalerie maintenant me pénalise, vous voyez. Je peux plus one-shot les piquer. Ça, vous allez me dire c'est négligeable, ben si, voilà. Ça pénalise fortement. Ça vous pénalise fortement de pas pouvoir one shot les piquer en une saveur d'archer de cavalerie. Bien évidemment! Bien évidemment! C'est les unités d'éclairage, comme par hasard, maintenant ils décident d'attaquer mes troupes. Sérieusement. Le gars qui décide de faire autre chose à la fois. C'est dur de le toucher, putain.
bien évidemment. D'un forum qui est incapable. Non mais c'est normal, j'ai oublié Wade Murphy, je suis en train de filmer, j'ai tous les trucs improbables qui arrivent dans la même vidéo. De toute façon, ça marche toujours comme ça quand on fait une vidéo de Wade Murphy qui s'appuie, donc ça sert à rien que je me prenne la tête. Merci de ce cadeau. Votre récompense vous attend dans la clairière au nord. Derrière au nord. Voilà. Et on va y retourner avec ça. Là, je vous promets que là, on va faire quelques petits trous. Là, on va rechercher de l'or parce que l'or va très vite manquer. J'ai trop de pertes. Mais bon, ça va. Là, ça va le faire. Maintenant, pourquoi faire un château de manière aussi agressive que sinon vous arriverez jamais cette mission. Enfin, si vous y arriverez, mais. Il y a, vous laisse tellement la possibilité de faire ça juste devant chez lui. Alors pourquoi vous embêterez à y mettre ça ailleurs? Combien il en faut? Je crois qu'il en faut 4. J'ai un doute. Il faut que 2, ok. Donc, je ferme ma gueule. Il y a priorité aussi des unités, quoi. Qui est aussi le don parfois de me surprendre et de m'énerver. Enfin bon, c'est pas grave. Voilà, là on a réussi à faire un trou. Donc il faut 3 bombes pour dégommer une tour de guet. J'aimerais bien que vous alliez plus haut. Tartan est là ici. Voilà. Moi ce que je voulais. Non. Je rêve pas. Il y a peu. Bah quand je vous parlais des meurtrières, c'est indispensable de les avoir. On voit quelqu'un qui n'a pas les meurtrières. Ça se voit qu'il n'a pas les meurtrières. Mais il se fait démolir quoi. Enfin, il se fait démolir. C'est-à-dire que je peux lui faire coder Tartan et le détruire. Alors, enfin bon, le premier assaut est plutôt bien passé. Malgré que la RNG était contre moi, finalement, ça s'est régalisé et là, on a un peu plus de chance et ça se passe déjà mieux. D'ailleurs, cavalerie élevage, ça n'a pas été fait. Donc là, il nous faut fonderie, bah, toutes les améliorations de cavalerie, pour faire simple. D'accord, c'est lui qui s'est fait attaquer par le cavalier. Et c'est pour ça que le bois n'est pas un problème.
Vous voyez qu'ici, ben, le bois, vous avez un stock comme vous voulez. L'or, c'est vrai qu'il n'y en a pas chez moi, mais bon, c'est pas grave. Il y en a assez près, je trouve, ici ou là même. La pierre, ben, on a trouvé un gros gisement là-haut, ça nous sauve. Mais surtout ici, j'aime bien commencer ici, vous avez vu le gibier qu'il y avait. C'est tellement tranquille pour le début de partie, vous avez un début de partie tellement tranquille. Enfin, tranquille. Facilité lourdement, plutôt, devrais-je dire. Parce qu'avec toutes ces ressources-là, on peut pas dire que c'est difficile de commencer une partie. Hein. Quoi qu'il en soit, on continue nous à construire des tartans. Des tarcans, pas des tartans, des tarcans. Des steaks de tarcans, on va faire maintenant. Donc la cavalerie qui va plus vite, on va débloquer. Il faut que je dégomme le forum et le château, c'est ça? Entraînez votre armée et détruisez le forum, ok. Le château, je crois qu'il est présent qu'en difficile. Mais bon, après, voilà, j'ai pris la difficulté difficile, faut quand même qu'il y ait quand même certaines difficultés, sinon on s'ennuierait, on va pas se mentir. Vous imaginez si tout serait simple? On s'ennuierait sur ce jeu. De toute façon, c'est pas pire des campagnes. Il y a... Il y a une campagne qui est affreuse. Oh la vache. Je vais me faire ouvrir en deux avec ça. Avec son infanterie. Ça c'est le bélier qui s'est rachappé le dernier coup, enfin quand on a dégommé le... Ouais, par contre, m'en voulez pas, mais faut quand même vraiment que j'aille dégommer ça. Je m'en fiche des pertes, là. Je sais, c'est pas optimal, mais bon. Si je le fais pas, ils vont encore en refaire et en refaire et en refaire. Et vu le temps de création des archers de cavalerie par rapport à ma cavalerie... Voilà, ils peuvent plus produire de troupes, ils n'ont plus aucun bâtiment de production, ils ont un château mais ils font aucun cataphracte. Maintenant, là c'est gagné, là c'est tranquille, là on les a rasés. Ah, il m'a dit donc, elle m'a encore fait voir toutes les couleurs, cette campagne. Allez hop. Ça veut dire qu'on soit une caserne. Des enflures. Ouais, les forums peuvent par contre tirer à côté. Il faut quand même qu'ils puissent se défendre. Et voilà, comme ça on rase tout le monde est content et on a réussi cette mission. Les uns ont saccagé notre fort. Le futur de l'Empire est sombre. Ah non, vous n'avez encore rien vu. Voilà, donc là, champion D1. D'ailleurs, j'ai débloqué un succès. La preuve que j'ai pas beaucoup joué. Hein. Alors, on va regarder les ressources. Alors, alors, pas beaucoup de poissons.
On va mettre juste encore ressources, le reste on s'en fiche. Grosse mine d'or ici, il y a des fermes là, beaucoup de bois, mais pas beaucoup de nourriture pour le début. Donc de la pierre là, un peu de gibier ici, beaucoup d'or là. Allez, donc l'endroit, il y a la bouffe, il y en a énormément ici, mais il n'y en a pas ailleurs. Il y a beaucoup d'or là et beaucoup de pierre ici, j'avais oublié le gisement de pierre là, donc... Un gisement de pierre ici, un là. Je trouve que Thessalonique, Adrianopolis, c'est les deux... Ben, je préfère penser à Thessalonique, enfin construire l'ancien endroit de Thessalonique plutôt qu'Adrianopolis. Parce que vous avez déjà un, la rivière qui vous protège, donc vous pouvez y mettre des tours, des châteaux si vous voulez vraiment vous protéger et prendre votre temps. Moi j'essaie d'être le plus efficace et le plus rapide possible pour éviter que ce soit trop long. Surtout parce que vous avez énormément de gibier pour commencer, vous avez un stock de gibier phénoménal. Mais au pire vous faites un moulin, vous récupérez tout, puis après vous construisez le forum ailleurs. Ici vous avez énormément de ressources, donc après à vous de voir. Ou vous détruisez les deux portes ici, vous construisez votre forum au milieu. Vous remettez après juste les portes qui manquent, enfin les trois portes, et vous mettez les portes où là où ça manque. Et vous construirez votre forteresse dans Dyrrachium, ce qui est peut-être aussi une technique. Mais à vous de voir. À vous de voir. Moi je pense que c'est le meilleur emplacement que j'ai choisi. Le plus facile. Ils ont réduit à néant la ville romaine de Nyssa. Les ambassadeurs romains qui avaient été dépêchés sur les lieux pour rencontrer Attila avaient dû camper à distance des ruines sur lesquelles planait l'odeur épouvantable de la mort. Les rives étaient jonchées de cadavres. De nombreuses villes européennes allaient subir le même sort. Les ambassadeurs, envoyés par les Romains auprès d'Attila, ont tramé son assassinat. Ayant eu vent de ce complot, le chef des Huns a renvoyé le mercenaire terrifié chez son empereur, après lui avoir attaché autour du cou le sac contenant l'or qu'il avait reçu pour accomplir son forfait. Suite à cette démonstration de force, les Huns n'ont eu aucune difficulté à imposer un tribut à l'Empire romain d'Orient pour que cesse l'inévitable invasion barbare. Et ouais, bon, après, ils sont riches, eux, ils n'ont pas de soucis, ils peuvent pas payer s'ils veulent. Donc, pas grand chose à dire, hein, à part que j'ai joué comme un pied. Et voilà, je trouve que nos max de villageois, j'en ai 40 à un moment. Donc en tout cas, j'espère que passer un grand moment en ma compagnie, que j'ai pas trop max joué. Je suis sûr qu'il y en a qui me diront, ah t'aurais pu faire ça, ça, ça. C'est vrai que j'ai max joué, je suis quand même pas gagné. Mais quoi qu'il en soit, je vous dis à une prochaine fois, si ça porte ou bien. Et à tchao tout le monde.